dernière bande dessinée que j'ai fait, c'est donc un livre pour les enfants qui parle d'un petit garçon qui est oublié sur une aire d'autoroute en allant voir sa grand-mère qui est en train de mourir. Et pour retrouver ses parents, il est obligé de traverser une forêt sombre et mystérieuse. D'où le titre, Dans une forêt sombre et mystérieuse. Et durant son périple, il va rencontrer plein de personnages, de créatures bizarres. C'est une sorte de bande dessinée initiatique et ressortira différent de cette aventure. Et peut-être que ça finira bien en plus. Le dessin, pour moi, c'est un dessin assez conventionnel, enfin pas conventionnel, mais il est expressif certainement. Mais non, je me suis pas réfréné là-dessus. Puis c'est ce qui m'intéressait dans le projet aussi, c'est de faire une bande dessinée qui est en couleur directe. Donc à la gouache, au crayon, voilà. Tous les boulots que je fais sont inspirés de ce que je vis sur le moment. Là j'avais eu des gamins, et donc j'avais envie de cristalliser ce moment, puisque c'est quand même unique d'avoir des enfants. Donc c'est parti de là le projet. Et aussi le fait d'être là à lui lire des histoires le soir, de revoir des dessins animés comme Barba Papa ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de faire quelque chose, voilà, pour les enfants.